Salut à tous, c'est Ninkos, bienvenue dans ce 93e épisode de Zelda Breath of the Wild. Alors, la dernière fois, eh bien, vous avez vu comment j'ai galéré comme un porc pour récupérer le dernier set de Tingle pour former Tingle au complet. Et il se trouvait bah, juste ici, quoi, dans l'ancienne cité des mouettes. Mais au moins, on a exploré. Comment dire, l'ancienne place de la citadelle d'Hyrule, quoi. Et au moins, ça, c'est fait. Et regardez-moi ça, comme c'est la classe. Ah, comme il a la classe. Et j'ai remarqué un truc. Alors, c'est ici. Il a un bonus de 7 vitesse nuit augmenté, en fait. Et ça, c'est pas mal du tout. Donc, voilà. Alors, on va se remettre, cependant, en normal, hein. On va remettre ceci, je pense, avec le masque Korogu. Et on va continuer à chercher bah, les derniers trucs là. Là, c'est vraiment les derniers trucs. Le trésor spectral, il en reste deux. Donc, sur l'arène qui vit les braves mettre leur talent à l'épreuve en un lieu rituel où furent chantées les louanges des gardes royaux. Donc, ce sont ces deux phrases qui correspondent aux pièces restantes à trouver, quoi. Et dans les ruines où se réunissaient les soldats de l'armée d'Hyrule, c'était. On avait trouvé ça. Du coup, une chose que j'ai pas fait dans le dernier épisode, c'est que je n'ai pas activé le truc des coffres, en fait. J'aurais pu. Eh oui. Donc, je vais même le faire, en fait. Regardez alors. Par contre, il faut aller ici. Et il faut aller tout à droite. Et normalement, voilà, bah oui. Rechercher cet élément. Et voilà, ça ira mieux comme ça. Mais là, on va le désactiver, bien sûr, parce que sinon, on n'a pas fini, je pense. Attendez, hop. On va mettre les sanctuaires. Même si, bon, voilà. Alors, pour cela. Sur l'arène qui vit les braves héros. À mon avis, aux ruines de l'amphithéâtre, il doit y avoir quelque chose. Peut-être ici d'ailleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se téléporter ici. Allez, c'est parti. On est parti. Et il y a un Linel ici hein, d'ailleurs. Qu'on va peut-être se faire d'ailleurs. Je pense qu'on peut se le faire. Et après, bon, ça va être chaud de trouver quand même. Ça va être assez chaud. Mais on va voir. On va voir comment on va s'en sortir, bien sûr. Et si vraiment on a le temps en fin d'épisode, eh bien on se dirigera vers le désert. Hein. Enfin, parce que là, ça fait plusieurs épisodes que je parle de ça, mais on n'y arrive toujours pas. C'est affreux. Bref, bref, bref. Alors. Pour cela, on va aller par là plutôt. On va quand même activer. Hop là, voilà. Coffre à proximité, d'accord, ouais. Mais moi, je vais aller plutôt par là. Hein. Est-ce que je suis déjà allé au-dessus? Je ne sais même pas. Oh, toi, hé, viens ici. Allez, de la viande grillée. Bon, il y aurait un coffre par là. Ouais, bon, après, là, c'est le plateau du prélude. Hein. Ouais. Bon. Je sais pas comment on va procéder, hein. Ah, je ne sais pas du tout, hein. Mais bon, alors, ce qu'on va faire déjà. Hop là, Revali. Ok, on a des champs tempo. On va s'équiper de l'escalade, du set d'escalade. Alors, qui est où? Regardons. Ouais, on va s'équiper de ça. Je vais remettre tout en place. Voilà. Ah, j'ai même pas de bonus de 7. Mais bon, je monte plus vite quand même. Hein. C'est à souligner. On va récupérer les champi tempo. Hein. À mon avis, on a plus beaucoup. Hein. Enfin, plus beaucoup à récupérer pour ça, pour la quête. C'est ça que je veux dire. Ok. Oh, ça devrait le faire. Ouais, ça, oula, ça va être un petit peu chaud, mais ça devrait le faire, hein. Vu qu'on monte vite quand même. Ouais, ça devrait être bon. Allez, 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 Link. J'espère qu'il y a vraiment un coffre hein, quelque part sur l'arène qui vit les braves héros là.
Attendez, c'est quoi la quête déjà? C'est... Non, c'est pas ici, c'est ici. Qui vit les braves mettre leur talent à l'épreuve. Ok. Ah, ça doit être ça. Ça doit être quelque part par là. Hein. Enfin, on va bien voir de toute façon. Ah ouais, en plus, il y a un coffre. Enfin, il doit y avoir un coffre. On va aller tout là-haut déjà. Peut-être qu'il y a un Korogu. Attendez, bah, je peux zoomer en faisant ça. Et on n'a pas de Korogu. Donc, il doit y avoir un Korogu, genre ici, là. Regardez. Ah, je suis trop fort. Je ne le savais même pas. Voilà. On va se rééquiper. Bah écoutez, on va même se rééquiper de notre tenue la plus résistante. Donc, on pourrait mettre la tenue du barbare, le casque barbare, mais bon, je vais pas quand même prendre le risque. Ouais, on peut, ouais, on peut mettre, bah on va mettre ça du coup. Hein. Ouais, bah on est pas mal du coup. On est pas mal. Maintenant, il suffit juste de rechercher un petit peu. Non, c'est encore un Korogu, ça? Oh, bah la vache, il y en avait deux tout près. Comme quoi, on n'a pas forcément besoin de... Enfin, de ce qui... Enfin, vous voyez quoi? Alors, est-ce qu'on pourrait pas repérer le coffre comme ça? S'il y a un coffre ici, bien sûr, hein. Rien n'est moins sûr, hein. Alors... Un petit rubis, comme c'est sympathique. Alors, et là, et putain, et dire qu'ici, c'est le plateau du prélude, quoi. Ah là là, ça date. Enfin, ça date, pas tant que ça, en mode expert. Je joue quand même, parfois. En ce moment, pas trop, mais j'y ai beaucoup joué au début. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on peut pas le repérer de là, déjà? Ruines de l'amphithéâtre. Les fameuses ruines de l'amphithéâtre. Bon. Ça va pas être facile à trouver, hein, j'ai l'impression. Mouais. Bon, j'aimerais bien trouver quand même, mais... Bon, ça détecte un coffre par là. Ok, il y a le linel ici. Attendez, c'est un linel. Attendez. C'est un linel. Un linel. Ok, un linel blanc, ouais. C'est marrant parce qu'ici, quand on l'a affronté la première fois, il était bleu, il me semble. Alors, attendez. Le détecteur. Bon, si je vais là déjà. Oh, attendez, c'est pas un truc Korogu, ça? Attendez un petit peu. On va voir. Ah si! Allez, on fait ceci. Voilà, comme ça. Ça nous fait un Korogu en plus. Voilà, allez. Et on va se faire le linel. Ok. Ah bah alors déjà, on va descendre d'ici, hein. Ouais, je sais pas où il pourrait être le coffre. Enfin, j'ai un petit peu du mal à visionner. Peut-être ici, hein. Mais on dirait pas. Du coup, je pense qu'on va aller se faire le linel. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de linel. Ah, ça fait longtemps, hein. Du coup, il va falloir que je me réhabitue. Modification de l'objectif en cours. Bon. Allez, on n'a pas le temps. Oh là là, il va faire son... Ah! Éloignons-nous. Il est où? Oh putain. Je n'ai plus l'habitude. Allez, attention. Oh putain. Ah non, mais j'ai plus l'habitude. Hein. Aïe.
Oh là là, j'ai plus le coup. Je n'ai plus le coup. Ok, là, on esquive comme ça. Ok. Ah, on l'a pas eu. Oh là 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 là. Ok, c'est bon. On va essayer de monter dessus. Oui, c'est bon, yes. Ok. Bon, ça va le faire, ça va le faire. Allez, 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 allez. Ok, c'est pas mal. Oh putain. Heureusement qu'on a une fée. Hein. Heureusement qu'on avait une fée. Alors, on va s'augmenter la défense, hein, je pense. Est-ce qu'on a un truc pour s'augmenter la défense? C'est bien. Ah ouais. On a ceci et ceci. Hein. Ok. C'est pas mal. Merde, j'ai plus mon épée. Elle s'est brisée. On peut prendre. On va prendre quoi? On va prendre l'épée royale. Ah, je suis désolé. Hein. Je n'ai plus le coup là. Ok, allez. Ah, yes, c'est bon. Allez, 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 on y va. Non, 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 non. Ben, j'ai plus mon arc. Enfin, j'ai plus d'arc. On va utiliser ceci. Oh, yes, parfait. Ok, on monte dessus. Bah voilà, on le gère. Voilà, et il a pas le temps, hein. Oh putain, attention, on s'éloigne. Merde, merde, merde. Oula. Non, on s'est rien pris, ça va. Oh, oh là 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 là, attention. Ok. Ok. Putain, je l'ai pas eu. Ok. Oh, il nous a vu, sérieux. Oh la vache. Ok, c'est bon. Merde, putain, on vise mal. Ah, il nous a vu quand même. Bon, ça va, on a eu une augmentation de défense. Ok. Putain, mais j'arrête pas de m'accroupir en fait. Aïe, 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 ça fait mal. Et merde. Cinétis, Cinétis. Merde, j'ai pas eu. Il m'a eu. Ok. Yes, je l'ai contré avec mon bouclier. Chose que je fais jamais. Oh là là, parfait. Eh ben non. Regarde ce que je vais te faire. Allez, il faut l'achever. Presque. Et voilà, c'est bon. Eh ben, on l'a plutôt bien géré, hein. On l'a plutôt bien géré, ça fait très très plaisir. Alors, attendez. Déjà... Ouais, on a tout en photo, hein, à mon avis. Ah, c'est parfait. C'est vraiment parfait, hein. Alors, du coup, on a récupéré un arc du dieu bestial 32x3, c'est pas mal. Et on a récupéré quoi? Ouais, en bouclier, oh, c'est vraiment pas mal. Et on a récupéré l'épée du dieu bestial à 58. Parfait. Ok. Ça va, on l'a plutôt bien géré. Hein. Pour un linel qu'on n'a pas fait depuis un moment, ça a été. Bon, maintenant ce coffre. Oh, 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 oh! Attendez, dites-moi que c'est lui. Oh, c'est parfait. Eh ben voilà. Eh bien voilà. Casque du spectre. Ah oui, on dit que ce casque était autrefois porté par un monstre en armure que même les héros redoutaient. Si vous le vendez, vous ne pourrez jamais en obtenir un autre. Ok. Ok, ok, bon. Je vais désactiver ça, hein. Temporairement, bien sûr. Ah, c'est parfait. Alors, maintenant, il nous en reste plus qu'un. Alors.
Plus qu'un, plus qu'un. Plus qu'un, plus qu'un. Alors, pour cela, en un lieu rituel où furent chantées les louanges des gardes royaux. En un lieu rituel. Alors, où ça peut être? Colline des sifflements, vous croyez? Parce que, genre, ça siffle, ça chante, je sais pas moi. Ah, j'ai. Enfin, j'ai. Après, il y a peut-être des lieux que j'ai pas encore explorés, que ça s'est pas encore affiché. Ah, je ne sais pas, hein. Ruine du ranch. Attendez, plaine de la girouette. On va aller ici. Mon instinct me dit d'aller ici. On va bien voir, de toute façon. Quoi qu'il en soit, à mon avis, ça doit être autour de la plaine d'Hyrule. Ah, ça, c'est sûr. Enfin, c'est ça a toujours été dans la plaine d'Hyrule. Si vous remarquez bien, hein. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Alors, du coup, sanctuaire de Wagukata. On va aller vers ici. Après, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose ici? Je ne sais pas. Alors, ce qu'on va faire. Coffre. Et c'est parti. Bon, coffre à proximité, il n'y en a pas, hein. Ah là, c'est mauvais signe. Ouais, du coup, c'est mauvais signe. Ah là là, il doit rien avoir. Oh! Par contre, il y a une étoile filante. On va la faire. On va la prendre. On va la faire. Elle est pas si loin que ça en plus. On va se la faire. Bon, il n'y a rien ici, hein. Ouais, c'est officiel. Tiens, allez, c'est parti. On glisse comme ça, on va plus vite en plus. Ah, c'est parfait. C'est parfait! Ben voilà. On glisse bien là. On va. Saleté. J'ai dit on glisse bien, on va super vite là. Hop là. Ah, et on. Enfin, on s'est paré quand même. Ça fait plaisir. Alors. Ouais, ok, c'est par là. Bah, on va continuer du coup, hein. On va continuer. Une petite étoile filante, hein. Je dis pas non. Bon, là, il va faire que pleuvoir. Un petit peu sinistre, mais j'aime bien l'ambiance. Enfin, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Cette ambiance apocalyptique. Attendez, Tu mais. peux utiliser Ah mon oui. bouclier quand tu veux. Voilà. Ouais, je glisse pas trop. Bon, je glisse quand même assez bien. Hein. Ah ouais, c'est pas mal du tout. C'est quoi ça? Ok, c'est un. Ah oui, c'est un stall d'estrier, c'est vrai. Bon, c'est plus trop loin ça. Alors, ouais, ça va. Pourquoi le ciel il s'éclaircit? Je ne sais pas. Dites-moi pourquoi. Hein. Il n'y a pas de coffre à proximité. Hein. Ancienne cité des mouettes, là où on était au début de l'épisode et à la fin de l'épisode dernier. Rappelez-vous. Oh là là là. Bon. C'est juste ici. Oh, coffre à proximité. C'est étonnant, ça. Alors, par contre. Hop là. Allez. On va se le faire, hein. Hop là. Eh oui, nous, on fait tout en même temps. Voilà, allez, hop. On n'a pas le temps, nous. Flèche en bois. Ouais, tire-moi tes flèches. Voilà, c'est parfait. Par contre, vous allez arrêter de m'embêter, vous. Est-ce que j'ai pas une épée électrique? C'est dommage, j'en ai pas. On va garder l'épée royale, ça suffit largement. Allez, on va. Non, oh, ça va bientôt se briser. Ouais, bon, ça s'est brisé, c'est un petit peu chiant. Je l'ai pas tué. Ah si, c'est bon. Bon, toi. Putain, merde, je l'ai pas eu. C'est bon, je l'ai eu. Par contre, j'ai peut-être changé de d'arc, oui. Quand même.
On va prendre celui à 38. Ok, arc de soldat. Ouais, je voulais pas prendre l'hallebarde rouillée, mais tant pis. Alors, on a un coffre quelque part. Bon, on va. Est-ce que ça serait pas ici, par hasard? Imaginez, prairie des ramages, d'accord. Bon, on va se mettre en quête de. En quête, hein, tout simplement. Hein. Parce que bon, il y a un coffre par là, apparemment. Bon, et vous? On récupère les ailes, bien sûr. Alors, attendez. Mais. C'est qui me. Eh, hey, mais ça suffit, toi? Mais. Voilà! Merci! Non, mais. Sérieux, là, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un Korogu Ah, bah, alors, attendez. Du coup, on va se remettre avec notre tenue normale. Le masque Korogu. Hop là, voilà. Non. On va pas l'utiliser. Flèche en bois. Alors, peut-être ici, hein. Qui sait? Eh, ça se pourrait, hein. Attendez un petit peu, là. Ouais, d'accord. Non, attendez. Non, me dites pas que c'est ça. Oh, je crois que j'ai l'impression que c'est ça. Mais les amis, mais what? C'était ça en plus? Eh ouais, armure de spectre. Ah, c'est parfait. On dit que cette armure était autrefois portée par un monstre que même les héros redoutaient. Si vous la vendez, ok. Et voilà, le trésor spectral, c'est terminé également. On peut enlever les coffres, hein. On va pas s'embêter non plus. On va remettre les sanctuaires. Est-ce qu'on se fait ce gardien? Oh non, j'ai pas envie. J'en ai assez bouffé des gardiens. Vous serez d'accord avec moi. Alors, ce qu'on va faire maintenant, ce qu'on va faire. On va aller ici et on va voir si on peut pas améliorer certaines tenues parce qu'on a récupéré pas mal de choses mine de rien dans. Ouais, enfin si, on a récupéré pas mal de choses. Et on en est du coup qu'à 22 minutes. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait deux linelles que j'avais prévu de faire également, qui se situent pas loin du désert, pas loin du canyon. En fait, c'est dans la région du lac Ilia. Vous devez voir où c'est, hein, normalement. Mais avant cela, on va améliorer nos tenues. Hop là. Si on peut, bien sûr. Hein. Si on peut. Et hop là. Wow, on a eu chaud à la chute. Et il va faire jour. Que c'est beau. Hein. Que c'est joli. Attendez, j'ai envie de voir un truc. Oh là là, non mais. Et c'est énorme, hein, le mode empreinte. Et vous voyez, on n'a rien exploré ici. Mais rien du tout, quoi. Hein. C'est incroyable. Après, il y a des endroits, genre ici, j'ai pas exploré, hein. Enfin, c'est fou ça quand même. C'est fou. Genre, ici, le plateau de Jarbu, j'ai jamais fait. Enfin voilà, après, on va pas s'attarder non plus, hein. On n'a pas que ça à faire. Oh non, ma longue épée des flammes va bientôt se briser. Bon, ça s'est brisé, mais c'est pas si grave que ça, hein. Ce n'est pas que partie remise. On va prendre le cimetière du clair de lune. Allez. Hop là. Des gemmes nox. Oh, attendez, mais je dois en avoir énormément des gemmes nox. Attendez, c'est ici qu'on va du coup pour voir tout. Voyons voir les gemmes nox. Enfin, toutes les pierres et tout ça. 30 topazes brutes. 35 rubis bruts, 39 saphirs, 169 gemmes nox, 200. Non mais. C'est incroyable! C'est incroyable! Mais c'est vrai. Fleur lame, on peut prendre des fleurs lames.
Mais il n'y a même pas de fées, où sont les fées? C'est quoi ça? Une carotte vigueur, je dis pas non. Je ne dis pas non aux carottes vigueur. Je récupère tout. Hein. Tu peux utiliser ma prière à Princesse de la sérénité aussi, il faut pas oublier. Et voyons voir si elle peut nous améliorer des trucs. Oh putain, mais... J'avais senti ton parfum, mon mignon. Alors, ah, yes. Alors, tu peux m'améliorer... Bah, presque rien, en fait. Mais tu peux m'améliorer ça. Corne de linelle. Ah oh, ouais, on en a 11, carrément. Allez, s'il te plaît. Fais marcher. Et du coup... Bah voilà, c'est parfait. Gilet barbare. Bah... c'est toujours le gilet qu'on aurait pu améliorer à mon avis. Attendez un petit peu. Kaisa. J'ai l'impression que c'est ça en plus. Et oui. Oh par contre, ah oui, ça coûte de plus en plus cher. Ok. Allez. Fais-moi ton petit bisou là. Et voilà. Ah, tu ne peux rien m'améliorer d'autre. Eh bien, écoutez, on va se faire deux linelles, là, carrément. Et pour cela, nous allons nous téléporter. Regardez, c'est ici, en fait, qu'il y a deux linelles. Et après, on finira la quête des Champitempo également. Peut-être en fin d'épisode, je verrai bien. À voir combien de temps ça nous prend aussi, les linelles, hein, parce que, bon, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, les linelles. Je vais utiliser mes autres flèches également. Ouais, je vais faire ça. Allez, c'est parti du coup. Sanctuaire Dio-so. D'ailleurs, petite anecdote à ce sanctuaire, je ne l'ai pas résolu normalement. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'elle a, elle? Attendez, elle nous parlait pas par hasard? Et un tekito teki, Moza, GVC. Ah oui, attendez. Tu veux parler de la fumée? C'est brûlé. Elle dormait, elle, il me semble. On lui a jamais parlé chaque fois que je cuisine, ouais. Quelle recette? La viande sublime. Volaille ou venaison. Du minerai bien frais. Burk. Ah ouais, d'accord. La viande antique. Volaille et venaison. Une pièce antique, d'accord. Un plat douteux. Et le plat de survie? Les ingrédients de monstre, d'accord. Ouais, bon, au pire, c'est pas hyper important. Hein. Enfin, j'espère. Ah bah, excuse-moi, mais... Faut bien que je fasse exploser des trucs, moi. Bon, trêve de plaisanterie, nous. On est ici pour faire... Pour botter le cul des linelles. Moi. Alors, par contre, on va faire une petite chose. On va prendre des flèches de glace. On en a 103. Et on les a presque jamais utilisées. MDR, quoi. Alors, du coup, c'est bien ici. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas des champi-tempo avant à récupérer? Et si. Et, ah, il y en a pas mal, même, hein. Ouais, vous remarquez comme moi. Voilà, pas mal. Ok. On peut descendre ici. Ah, il faut que je les récupère, ces champis-là. Hein. Alors, par contre, on va aussi se remettre un truc qui protège bien. Voilà. Voilà, voilà. Ok. On prend le champi-tempo. Et il y a encore un champi-tempo ici. Est-ce qu'on va réussir à le prendre? Et la réponse est... Oui, bien évidemment. Ok. Allez, c'est parti. On en a combien de champi-tempo? 46. Hein. 46, on est près du but. Il nous en faut 55. Ok, alors... pour cela, on va se recharger les batteries. Hein. Récupération totale. Et un truc qui augmente la défense. Bah on a ceci.
3 minutes 10. Allez. C'est parti. On est parti du coup. Avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Déjà, ça c'est bien. On va prendre un 41 x 3 carrément. On va y aller. Et je pense qu'on est paré. Donc c'est parti, les amis. Regardez. On va pas avoir le temps. Hop là! Eh ben voilà, il est déjà mort. Allez. Ah, je peux pas lui monter dessus. Merde, merde, merde. Ah! Mon arc s'est brisé. Et merde. Alors, attendez. Merde, je panique. Il ne faut pas paniquer. Allons. Ah, putain, il fait mal. Oh, il fait mal, lui, hein. Oh là 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 là, c'était chaud. Alors attendez, on a ça, c'est pas terrible. On va prendre plutôt l'épée royale. Oh putain, comment on a fait pour l'esquiver? Ok, c'est pas mal. Du coup, on va derrière. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, ça, là on fait ça, on fait ceci, on fait ceci. Merde, on l'a raté. Putain, comment il faut faire ici? Je sais même pas. Hein. Ok. Merde, on est accroupi. Ah, c'est un petit peu chiant, hein. Ah, je l'ai pas eu. Oh putain, ok, faut s'éloigner. Merde, on ne l'a pas eu. Ah, mais c'est horrible quand il fait cette attaque. Hein. Oh putain, merde. J'ai failli faire une connerie. Une grosse connerie. Ah merde, mais j'aurais pas dû faire ça non plus. Ok, on lui fait mal, hein. On lui fait bien mal. Mais il peut rien faire là. Hein. Ah merde, Mifa, putain. J'ai dû utiliser Mifa. Aïe, 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 ça fait mal ça. Non. Ah putain de merde. Alors on va commencer à utiliser à nouveau des trucs, genre ceci. Oh, on lui a fait mal, on l'a sonné. Allez, allez, allez. Bon, c'est pas génial, hein. Mais bon. Aïe, 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 il nous fait mal, hein. Oh, il a brisé notre bouclier, quoi. Alors, attendez. On a encore besoin. Ceci. Et on a besoin de s'équiper d'un autre bouclier. On va prendre celui-là. Hein. Oh, parfait. Parfait, parfait. Voilà, il est mort. C'est bon. Est-ce qu'on se fait le deuxième Linel? Ah, je sais pas, j'hésite. Oh là là, c'est excellent, hein. Bon, tout ça, on avait en photo quand même, hein. Excellent, excellent. Arc du dieu bestial et espadon. Regardons, 60... Oh, coup de grâce, waouh. Et regardons ce qu'on... Oh, on a récupéré un 32 x 5. Excellent. Excellent, excellent. Bah, écoutez, du coup... J'ai pas forcément envie de me faire le deuxième. Ouais, moi je suis comme ça. Quoique. Ah, j'hésite. J'hésite. Est-ce qu'on se le fait? Non, on va pas se le faire, allez. On va se téléporter gentiment ici. Et on va récupérer les derniers champi-tempo. Et après, dans le prochain épisode, c'est décidé. On fait enfin le désert. Parce que là,
Il est temps pour le 94e épisode, le désert. Ah, ça va nous faire du bien de d'explorer un nouveau truc, hein, du coup. Ah oui, parce que là, ça va un moment, hein. Ça va un petit moment tout ça. Ok, nous revoici ici, du coup. C'est parfait. On peut se rééquiper du truc Korogu qui est ici. Voilà. Bah alors, monte. Et on a plein de champi-tempo ici. Hein. Ah là là, on en a plein. Est-ce que tu veux descendre? Oui, voilà, comme ceci. Et on est à 47 là. On est à 47, 48, 49. Oh là là. On va les avoir, ces champi-tempo. 50. Où est-ce qu'il y en a encore? Merde, j'en vois plus. Non! Mes champi-tempo! Il y en a ici. Je ne sais pas à combien on en est exactement, là. Ok, encore un. Il y en a encore, là. Tant pis, j'utiliserai Vali, mais... Il le faut. Je n'en peux plus de cette quête. Ok, on va y arriver, je pense. Je crois qu'on est à 52 et là, 53. Ah ouais, on va y arriver. On va y arriver. Regardez. 54. Non! Non, mais quel con. Attendez. Ah non, 53. Merde. On n'est pas encore à 55. Ok, il y en a là aussi. Ok, c'est bon. Non! Putain. Attendez. Un dernier champi-tempo, s'il vous plaît. Je suis à la recherche d'un dernier champi-tempo. Ah. Ah bah, il y a un coffre ici. Bah, pourquoi pas? Eh bien, pourquoi pas? Un cimetière de clair du lune qui est pas trop mal. Plus 6 en attaque. Bah, on va jeter ça. MDR. Hop là. Et on va reprendre ceci. Voilà, franchement, 31, c'est pas mal. Allez, un dernier champi-tempo pour la route. S'il vous plaît. Un dernier, dernier. Petit, petit, petit. Où te caches-tu? Où te caches-tu, petit champi-tempo? Ouais, il y en a forcément un quelque part. Non, mais sérieux, attendez. Il m'en reste genre un et je vais pas le trouver, quoi. Regardez-moi ça. On est à 54. On est à 54, voyons, allons, mon gamin. Je sais pas, il y en a pas ici, là? Mais what? Mais j'en vois pas. Je n'en vois pas. Je veux... Est-ce que ça vaut une ellipse, ça? Non, mais c'est n'importe quoi, j'en vois... Ah, là-bas! Là-bas! Attendez. Attends... Ah non, j'ai rêvé. Ah si, là! Oh putain. Ouais, il faut se le prendre. Hein. Il n'y en a pas d'autre plus près. Ah, c'est malin ça. C'est malin, mais c'est pas grave. Allez, on va se le prendre du coup. Allez, hop, tu montes. Tu me montes ça. Regardez, il est tout là-haut. Oui, on y est. Allez, encore une fois. Et ce son, c'est le 55e. Et voilà, on a fini. Du coup, alors c'était qui? C'était toi? Eh, c'était toi. Salut! Je savais que tu reviendrais, tu m'as apporté la marchandise. Oui! Voilà, tu m'as embêtera plus jamais. 5, 15, 25, 35, 55. Eh, le compte y est. Tu te trouveras ta récompense derrière le relais. Franchement, je comprends pas pourquoi tout le monde court après ces cailloux. Pour moi, les champi-tempo sont bien plus précieux. Hé hé, si tu en as d'autres, reviens me voir, je ne bouge pas d'ici. Par contre, je n'ai plus de diamants bruts. En échange, je te rachète les champis au double du prix du marché. Et souviens-toi, je ne les achète que par lot de 55. D'accord. Mais maintenant, j'en ai plus un de champi-tempo. Eh ouais, je n'en ai plus. On a plein de piments et on a le trésor ici qui contient
Un diamant brut, bah écoutez, c'est pas mal. Eh bien les amis, enfin, on va s'arrêter ici, devant le désert. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'est le dernier épisode de DLC de transition. Et dans le prochain épisode, on s'attaque au gros morceau qui se trouve derrière moi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Dans le prochain épisode, direction désert. C'était Linkos, bye tout le monde.